Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Poedi 134 les gars. Donc j'ai créé un crew, j'espère que vous allez nous rejoindre. ADH. Donc vous aurez le lien du crew dans la description. Donc là je vais vous présenter le glitch de Tuto Facile France. Énorme glitch, très facile et pas besoin d'avoir énormément d'argent. Donc ça marchera dans tous les garages. Il vous faudra être deux. Votre ami devra être en God Mode pour vous aider. Donc merci à Tuto Facile France qui est énorme poteau. Je mets sa chaîne dans la description. Allez le checker, allez lui faire un petit commentaire. Comme quoi il est trop fort. Donc je vous explique. Là mon collègue il est en God Mode. Donc vous verrez sur la vidéo hashtag 1, dupli hashtag 1, comment faire le God Mode. Très facile. Donc il est en God Mode, on est dans la même session. Il me voit, je le vois pas. Je lui sors une RH8. Donc je sors du véhicule, lui il va monter dedans. Une fois qu'il est dedans, je vais aller rechercher la custom que je veux customiser. Donc je vous conseille des lowriders, parce que c'est celles qui se vendront plusieurs fois cher. Que les autres, elles valent rien. Donc au pire, vous pouvez dupliquer vos originales et vendre l'original et garder la duplication de tous les autres véhicules. Mais ça ne vaudra rien sinon. Au bout de deux fois, ça ne vaut plus rien. Donc toutes les lowriders de chez Benny's, c'est le top. Et les VRH8, 970 000 $ à chaque fois, c'est pas mal. Ne parlez pas de voiture de DLC et tout ça, ça vaut rien du tout. Donc là, je vais dans ma voiture custom. Peu importe le véhicule, vous pourrez faire tous les véhicules qui rentrent dans le garage. Donc désolé, mon garage il bug un peu, là, je sais pas ce qui se passe. Donc, je vais trop longtemps rentrer dans le garage. C'est vraiment un glitch très simple. C'est hallucinant. Donc le God Mode, vous verrez la vidéo. C'est vraiment facile, donc flèche du bas, vous allez sur le mode, sur un joueur histoire, vous lâchez flèche du bas, vous avez le message, vous refaites flèche du bas et vous annulez le message. Après vous rejoignez une activité et c'est réglé. Bref, là, je sors avec mon véhicule. Donc surtout, une fois que vous avez fait demande de véhicule personnel, d'accord, vous attendez, vous imaginez que vous attendez d'être livré. Vous avez vu, ça dure environ 30-40 secondes. Vous rentrez pas directement dans le garage, ça marchera pas. Donc pour ceux qui faillent, c'est à cause de ça. D'accord? Donc tu patientes le temps qu'il faut, tu t'en fous. Même si tu patientes trop, c'est mieux que pas assez. Donc attends, tu imagines que combien de temps ton mécano il va te livrer. Ensuite, tu dis à ton pote qui est en God Mode, tu lui dis de sortir du véhicule. Et au moment où il sera sorti du véhicule, tu vas pouvoir rentrer dans le garage. Donc là, bim, je vais dans le garage 4. Allez, une duplication de tête. C'est pas plus dur. C'est vraiment très facile. Il n'y a pas de raison que vous failliez. Donc je vais vous en refaire une pour le fun. N'hésitez pas à liker, les gars, à partager, à mettre un petit commentaire. Si vous êtes enrichi ou quoi. Merci à tous les abonnés, vous êtes trop super. C'est je kiffe. Ah, je kiffe trop. Voilà, vous soutenez vraiment une équipe de choc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans mon jeu à Poedi 134 sur PS4. Donc ça marche que sur PS3 apparemment. Sur Xbox, tentez-le. Si ça marche, vous le dites. Écrivez-nous un peu pour savoir, parce que nous on n'a pas de Xbox, donc on peut pas trop savoir si ça fonctionne ou pas. Donc on aimerait vraiment savoir. Et à moi, ça m'étonnerait que ça marche pas. Donc là, je recommence, je ressors une RH8. Mon collègue God Mode, il monte à l'intérieur. Donc je le vois pas, mais il monte à l'intérieur, il vous prévient. Au micro, là, la portière, hein. Il monte dedans, je vais chercher une custom. Allez voir la vidéo glitch de l'appartement, vidéo tenue du mode rivalité que j'ai sur moi là. Vous
trouvez la voie. Et après, vous la modifiez. Ensuite, vous avez le braquage. Si vous voulez faire de l'argent, vous avez le braquage pour avoir l'hélicoptère ou moto. Vous avez le braquage pour faire en voiture de police. Et vous avez le braquage pour le faire en moto. Il y en a un autre aussi, le braquage pour le faire en hélico, mais après avoir pris l'argent. Donc, franchement, vous avez quatre solutions. Vous tapez des délires en illimité. Je vous explique comment le quitter sans perdre ses préparations. C'est quand même beaucoup qui perdent leur préparation. Moi, j'ai trouvé un petit coup là, une petite technique. Je les perds plus jamais. Ça, allez, je recommence. Je sors le véhicule. J'appelle. Véhicule personnel. Bon, là, il faut attendre. Entre deux voitures, il faut attendre. Donc, ce qui sera bien aussi, si vous faites dans une moto, vous pouvez vous mettre en motard. Vous ferez évacuer les véhicules personnels. Donc ça marchera pour le motard, ça marchera pour les motos. Donc après, je ne sais pas si dans le PDG, peut-être il y a quelque chose pour faire venir un véhicule personnel. Il faudra le vérifier, ça. Ça pourrait faire gagner du temps. En tout cas, les gars, rejoignez-nous dans le crew. J'ai fait un groupe sur Facebook. Voilà, vous aurez un peu tous les renseignements dans la description. Rejoignez-nous sur Facebook. On puisse se donner des tuyaux, des photos. Voilà. C'est un jeu de partage. Donc là aussi, vous avez les Liberators en ce moment disponibles. Vous avez Fumée Patriotique. N'hésitez pas à mettre ça sur vos véhicules. Vous avez des nouveaux chapeaux, vous avez des nouveaux masques, vous avez des nouveaux vêtements. Donc, prenez-les, les vêtements qui vont disparaître le 11. Donc, vous aurez tout ça jusqu'au 11. D'accord? Donc, Liberator, les nouvelles armes aussi, vous avez des lanceurs pyrotechniques, donc c'est les fusées du 14 juillet, feu d'artifice. Vous avez aussi un fusil. On va aller voir, ils ont mis un peu de tout partout. Profitez-en. Ça va disparaître, à mon avis, le rond. Et surtout le Liberator. Moi, je vous le conseille, Liberator. Il est en promotion en plus. C'est une tuerie, Liberator. Donc là, les gars, je demande mon véhicule personnel. J'attends. J'imagine sa livraison virtuelle. Ne rentrez pas direct, ça marchera pas, vous aurez votre RH8 à la place. Donc, je l'ai fait, j'ai raté pas mal de fois. J'ai compris que voilà, il fallait patienter, attendre cette livraison-là. Sinon ça paye. Allez, là je le fais descendre, je rentre dans mon garage. Et bingo. Deuxième véhicule. En l'espace de 5 minutes. Donc, glitch énorme. Tuto facile France. C'est le Big Boss, donc je l'ai marqué dans ma description de toutes mes vidéos. Lui, c'est le Jésus de GTA. Voilà, c'est tout. C'est le gars, un jour, il va nous ouvrir la mer, il va nous faire une course. Même si elle existe déjà, voilà, c'est le numéro 1. Et franchement, grand respect à lui. Je mets sa description. Dans la description, je mets sa chaîne. Et là, j'espère que vous allez le voir. Vous allez lui remonter le moral là, parce que. Franchement, Rockstar, ils sont sur son dos, ils font que patcher ses glitches. Et voilà, c'est pas cool, quoi. Quand tu travailles un mois sur un glitch, quand tu le patches en 1 heure ou en 12 heures, mettez-vous à sa place. Voilà. Donc, ça le perturbe et voilà, ça empêche de travailler correctement. Tuto facile France, numéro 1, sur GTA 5 Online. Donc, les autres, c'est que des copieurs sur la base de ces glitches. Donc là, c'est sûr, on aura des after patch et des CVMI. Et ça viendra du glitch tuto facile France.